Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Nico. Et je suis toujours Jules. Donc émission spéciale puisque nous sommes confinés. Donc c'est un RDDT confiné que nous vous présentons et que nous allons vous présenter durant les semaines à venir puisque effectivement ce n'est pas à l'intérieur de notre voiture puisqu'elle n'aurait rien de confiné ou plutôt confiné à deux. On devrait rester à vitam aeternam dans une voiture à deux, ce qui me semble être très compliqué. On va se l'avouer quand même. Donc on part sur du rencontre du deuxième type à distance, du rencontre du deuxième type télétravaillé, j'ai envie de dire. C'est en fait du rencontre du RDDT-ENT, en fait. C'est un peu l'idée, voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un titre, qu'on ne s'est pas prêté puisqu'on l'a tous les deux pris sur une campagne Ulule d'une petite maison d'édition qu'on apprécie tout particulièrement puisqu'il s'agit de Comics Initiative. Jamais. J'attendais que tu. Et Oui, non, parce que. donc, Michael Jérôme, du Rover Red Charlie, Tout est-ce à que tu fait. peux nous pitcher le titre? Qui, quoi, comment, par qui, quand? Mais où est donc les auteurs? Alors, on est sur du Garth Ennis, c'est du Michael Di Pasquale. C'est du comment? C'est du genre post-apocalyptique. On est sur une histoire animalière, si on peut dire, non? Une histoire d'animaux. C'est une histoire animalière, oui, effectivement. On suit trois cabots, trois chiens, trois clébards. Qui s'appelle Rover, Red et Charlie. Ça, on le découvre tout de suite, tout de suite. Et dès les premières pages, on découvre en fait un monde où les humains s'entretuent. Les humains se jettent par-dessus bord, se jettent du haut de leur immeuble, les avions s'écrasent, etc., etc. Et là, les Kleps, ils comprennent pas trop ce qui se passe. Ils essayent de retrouver leur maître. Et voilà, le postulat de départ, c'est ça. Effectivement, et c'est un peu un monde qui nous paraît dans un premier temps post-apocalyptique, même si on ne sait pas bien ce qui s'est passé. On ne le saura pas d'ailleurs, ce On qui le s'est saura pas passé d'ailleurs, non, exactement. tout à fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu de bombe atomique ou de guerre nucléaire ou quoi que ce soit. C'est ju juste, entre guillemets, entre deux grosses guillemets, les hommes qui ont pété un câble, disons-le clairement. On a une préface d'Alan Moore, excusez-moi du peu, Alan Moore a apprécié, sachez-le. Et donc c'est du Garth Ennis. Alors, petite présentation de Garth Ennis, qui va aller très très vite, hein. C'est quelqu'un qui fait dans le trash, voilà, dans le crade et dans le dégueulasse. C'est ce qu'on apprécie chez lui. Ça, on en a déjà parlé avec The Boys, et quand on a parlé de The Boys et de Irrécupérable, parce que c'est pas Garth Ennis qui a fait Irrécupérable, mais on parlait du fait que on avait deux sujets identiques, et on a avec The Boys quelque chose qui va beaucoup plus en profondeur et qui nous limite, quoi, on va dire. Il y a vraiment, et c'est un peu ce qu'on aime chez Garth Ennis, du coup, Et le fait qu'il soit. c'est ça qui est cool, effectivement, avec Garth Ennis, c'est que il s'en sert toujours à bon escient. Il y a toujours un fond, une explication au pourquoi du comment. Exactement. Même si dans celui-là, il y a des fois où ça. Alors, bizarrement, moi, je m'attendais à un truc beaucoup, beaucoup plus crade. Tout à fait, moi Et aussi. il y a une ou deux scènes où c'est franchement pas Jojo le rigolo, mais ça passe, je trouve. Notamment une où c'est un peu raide. J'imagine que tu vois de laquelle je parle. Oui. Disons qu'on dit que les chiens sont souples, mais pas que, apparemment. Bref, voilà. Et non, c'est. Mais si on peut, par rapport à ce qu'on dit de Garth Ennis, où il verse dans le trash très souvent, là on est. Alors il s'est pas empêché, de toute façon, de faire du trash. Il y a comme on vient de le dire, il y a quelques scènes, quelques pages, quelques planches où il y a du trash, mais tout le reste, enfin je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais tout le reste, c'est teinté de poésie. Quand on suit les trois clébards. Et puis chacun a son caractère bien trempé, et puis il y en a un qui est pris pour un gros débile, et puis on va se rendre compte que Forcément. Bon, alors, ça, voilà. c'est une ficelle un peu grossière parce qu'effectivement, tu le vois quand même venir, je trouve. Tout à fait, mais Ce c'est en qui n'en est ça pas moins bien, hein, pour autant. ce qui est efficace. Alors, moi, j'ai un Tout gros à fait. problème, c'est que contrairement à toi, et je trouve que la comparaison pourrait venir très vite, et c'est pour ça que je le signale tout de suite. Moi, j'ai pas lu Nous Trois de Grant Morrison et je crois de Frank Whiteley, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est Frank Whiteley, Et ouais. du coup, toi, t'avais bien aimé, du coup? Nous trois? Ouais.
Ouais. Alors, on avait déjà parlé quand on a justement parlé qu'on allait chroniquer D'accord. ce titre et qu'il fallait que tu lises nous trois. Que j'ai pas lu. Y a que c'est pas après c'est pas indispensable pour comparer avec celui-là parce que je trouve qu'on peut pas comparer. D'accord. La seule comparaison qu'on peut faire, c'est le fait qu'on suit des animaux. La différence avec nous trois, c'est qu'ici, il n'y a plus d'humains du tout. Ou alors, si ce n'est les peu d'humains qu'ils rencontrent, ils sont fous, alors ils deviennent très rapidement fous. Enfin, ils perdent complètement la raison. Alors que dans nous trois, on est sur quelque chose de totalement différent, un registre totalement différent. C'est de la science-fiction, nous trois, quoi. Du Tu coup, vois? t'es plus sûr de la poésie avec celui-là? Avec celui-ci, Ah, ouais. tu vois, c'est marrant parce que moi, j'aurais dit, enfin, de l'extérieur comme ça, tu vois, j'aurais plus pensé que celui de Morrison serait plus poétique, justement. Bah, c'est-à-dire que, comment dire, moi je trouve que c'est poétique le Red Rover, le Rover Red Charlie, pardon, c'est poétique parce que c'est ce dont, enfin, c'est ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est on en avait déjà parlé d'ailleurs, les visages des animaux, si on peut dire c'est des visages, sont très statiques. Mais on arrive à détecter les émotions enfin, ça me fait penser un peu à C-3PO dans Star Wars, D'accord. où C-3PO, c'est un visage immobile, quoi, tout le temps, quelles que soient les émotions. Et on arrive à sentir les émotions qu'il a. Et là, je trouve que c'est ça, et c'est en ça que c'est poétique, parce que il a réussi, avec les dialogues et puis les situations, à rendre le visage expressif, alors qu'il est tout à fait. Vide de toute expression. Et je trouve que la poésie, elle se dégage là-dedans, et elle se dégage aussi dans le fait que la façon dont on suit les personnages, donc les trois personnages, les trois chiens, tout au long de leur périple, et puis les croyances qu'ils ont, parce qu'ils vont croire à l'Éden, au jardin d'Éden, à l'ouest, en fait. Et tout ça, je trouve que c'est teinté de poésie, vraiment. Et puis les dessins en eux-mêmes aussi, je trouve qu'ils sont très poétiques, parce qu'il y a beaucoup de naïveté dans les dessins, même si, je trouve, vraiment. Bah, Et c'est ça qui me fait dire que c'est poétique. moi, les dessins, je les ai trouvés très propres, limite des fois Ouais. trop. Après, j'ai trouvé que c'était un bon taf, mais on a l'impression. Alors, je voudrais pas dénigrer, je connais pas, hein, clairement, Michael Michael Di Tipp, moi non Pasquale. plus, je connais pas, non. Je sais pas si c'était son premier taf, son premier taf Ouais, d'envergure, j'entends. Ça sonne comme ça, je trouve. Ça sonne bien vraiment comme sûr. un premier truc. C'est bien, mais tu sens que le mec peut faire mieux, clairement. Oui, on sent qu'il. Oui, Il tout à pourrait fait. faire mieux, en tout cas. Bah Mais. après, c'est pas. Enfin, mettre en scène des animaux dans un comics, c'est pas facile, quoi. Hein, C'est pas franchement, forcément facile, parce que effectivement. si on fait la conférence, la conférence, la comparaison avec nous trois, Frank Quitely, il s'en est pas bien sorti non plus en termes de graphisme, je Ah trouve. oui? Il y a des moments où c'est assez irrégulier, et Ah, moi là, c'est un peu. je suis très curieux de voir ce que fait Frank Quitely dessus, parce que pour le coup, moi je suis pas toujours ok avec les visages qu'il peut faire, en fait, Tout à fait, ouais. ou les proportions qu'il peut avoir sur certains corps. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il peut faire, en fait, avec les corps des animaux, en Ouais, l'occurrence. Et ouais. non, Rover et Charlie, moi, alors après, je trouve que. Je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai aimé ses défauts. Tu vois, par exemple, y a plusieurs moments. Enfin, c'est pas plusieurs moments. Tout le truc, nous sommes des chiens, nous sommes des chiens. Ou je suis un chien, je suis un chien, je suis un chien. Ça peut être compliqué. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est gonflant. Après, ça va avec la psyché du chien, qui du coup se revendique comme un chien tout le temps et qui, tu vois. Donc oui, il y a des choses super cool. J'aime beaucoup le fait et je ne sais pas s'il y a ça dans Nous Trois, et après je vais arrêter là ma comparaison avec Nous Trois, mais tu sais, quand il dit les nourrisseurs, nous ils nous appellent les nourrisseurs, et ils nous voient comme les nourrisseurs, c'est-à-dire notre première fonction, contrairement à ce qu'on pourrait croire de le chien me voit comme un dieu ou comme un... Ou comme quelqu'un de supérieur, ou pas du tout. Il nous voit comme quelqu'un qui donne la bouffe. C'est ça, Et du coup, il nous appelle les nourrisseurs. Alors, il y a plusieurs surnoms comme ça, je me souviens plus de tous, mais qui vont avec une fonction bien spécifique. Et puis bon, c'est vrai que dans le lot, alors j'avoue que j'ai plus trop les noms en tête, mais dans le lot, effectivement, il y en a un qui est au service de l'homme, dans le sens,
sont tous au service de l'homme quelque Ah part. oui, c'est Mais il oui. aide les hommes, c'est un chien de C'est un chien secours, quoi. d'aveugle. Ouais, c'est C'est un ça, chien ouais. d'aveugle? Oui, je sais plus. Je sais plus. Je dirais dans les secours, mais enfin, Ouais, dans, c'est dans... ça, ouais. Ce qui Et porte. puis je Oui, crois. effectivement. Et puis bon, bah voilà, il y a toujours les trucs, les côtés sympas. Moi, je suis de ceux qui pensent que si les chats avaient été dotés de parole et s'organisaient un peu plus, ce serait pas la planète des singes, mais la planète des chats. Je pense que les chats pourraient conquérir le monde et être des dictateurs sans vergogne, mais complètement. Ils nous asserviraient comme des petites saloperies qu'on pourrait être. Et ben, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a, il y a quelques mois ou un an, je sais plus, j'ai lu un bouquin de Bernard Weber D'accord. qui s'appelle Demain les chats, et où en fait les chats sont doués de parole et d'intelligence. Ouais. Les humains ne peuvent pas les entendre, donc on est un peu dans le. Oh la vache. Le pied pour les chats, quoi. Ils peuvent pas les comprendre, Ouais. mais et les chats en fait ils communiquent les uns avec les autres, et il y a un chat en particulier qui veut dominer tout le reste et qui est qui a subi une opération chirurgicale. On lui a greffé un truc dans le cerveau. En fait, c'est un cobaye que les êtres humains ont voulu tester pour savoir si c'était possible de faire parler les chats. Mais je suis persuadé que, bref, s'ils pouvaient parler, ils nous domineraient Ah non, mais moi, ouais, sans c'est aucun clair. scrupule. Et Surtout en ce moment. surtout en ce moment. Et il y a un petit, comment dire, clin d'œil là-dessus. Ah oui! Et moi, je, enfin, oui, ça, c'est C'est carrément forcément ça. chouette. J'ai passé un super moment au cours de la lecture. J'ai trouvé ça cool, justement, d'accompagner tout du long. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé la lecture agréable. Il y a effectivement ce côté. Comment ouais, je suis un chat, je suis un chat, qui au bout d'un moment peut être vraiment gonflante, je trouve. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait une évolution sur ça et que très rapidement il passe à autre chose en fait. Et tout le temps, finalement, on reste là-dessus et j'ai trouvé ça un petit peu bête. Mais non, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve qu'on s'identifie aux animaux, ce qui est quand même ouf parce que enfin, c'est très bizarre parce que. En fait, clairement, on va se rendre compte très vite que les hommes deviennent des animaux et les animaux prennent en conscience, en tout cas, et comprennent des choses. Et comment? C'est finalement le fait de ne plus être chapeauté par les humains qui fait qu'ils prennent des initiatives et qui commencent à comprendre certaines choses. Totalement. Et donc, est-ce que c'est pas nous qui les bridons, quelque part? Bah, ça questionne, ça questionne sur nos comportements, pas que envers les animaux, hein, envers Tout à la fait. société, Tout à fait. envers nous-mêmes même, et puis même envers le monde dans lequel on vit, la nature, l'environnement. S'il fallait encore prouver que le comics n'était pas un art mineur, je trouve que ce genre de questionnement prouve le contraire, justement, que c'est pas. C'est pas un art mineur, quoi. Effectivement, je te rejoins quand. Moi, je m'identifie surtout avec Red. Comment il se. Enfin, je sais plus c'est quoi comme race, mais C'est irlandais, c'est le. un c'était irlandais là? Ouais, c'est celui qui arrête pas de. Enfin, qui est. Vas-y, sens-moi le Ah cul, oui, lui. ça Ça par va, c'est contre, bon? ça m'a fait rire. Ça va, Et oui. à Parce que. chaque fois. Parce qu'en plus, je trouve que Garcenis, il s'en sert pas trop de ce Mais truc c'est-à-dire qu'en fait, humoristique. je trouve qu'il attend Ouais. juste le temps pour que tu l'oublies. Et il t'en Exactement. remet une couche au moment où tu t'y attends le moins. Exactement. Et moi, à chaque fois, je me suis marré. C'est vrai. Vas-y, sens-moi le cul. Sens. C'est bon. Il est bien mon cul. Ma C'est rondelle, elle bon. est bien. Ouais, c'est bon, il est bon, t'inquiète. Et ça, ouais, c'était vraiment cool. Enfin, c'était vraiment cool. Oui. Mais à chaque fois, ça m'a fait rire, en tout cas. Non, c'est comme je disais tout à l'heure, effectivement, c'est ouf qu'on arrive à s'identifier à des animaux. Et à ce qu'ils peuvent penser, ce qu'ils peuvent endurer, retrouver ces instincts animaux, tu vois, pour se nourrir notamment. Je sais pas si tu te souviens. Oui, il y a ça là par rapport quand ils vont dans le poulailler, là, dans la ferme, Ouais. effectivement. Mais comme tu disais tout à l'heure, il y a vraiment ces deux choses-là, c'est-à-dire qu'ils retrouvent leurs instincts primaires pour pouvoir se nourrir et survivre, mais en même temps, ils essayent de mimer les êtres humains par rapport. Ils se posent des questions, ils disent, mais comment elle faisait ma maîtresse pour ouvrir ma boîte de bouffe? Elle disait, ouais, mais eux, ils ont des mains.
Ouais, mais non, Donc on mais n'a pas, ouais, faut pas. complètement. Là, il se pose des questions sur. En même temps, il y a ces deux choses-là, Mais le fait qu'il finalement, on est. dirait que l'humanité qui a abandonné l'homme, tu vois, vient dans Bah, les c'est animaux et en exactement, particulier c'est les chiens, transposé quoi. chez... totalement, totalement. Mais non, c'était ouais, une bonne lecture, puis aussi une leçon d'amitié, parce que ils sont tous les trois amis et se soutiennent les uns les autres. Ça aurait été facile de faire des chiens, de tous les chiens, de tous les animaux, des êtres impeccables et faire des humains des saloperies. J'ai apprécié que un humain les aide, notamment au début de l'histoire, parce que justement, ça ne met pas l'humain, tu vois, dans tout le. Je sais pas si je me fais comprendre, mais dans tout Oui, tout à le. fait, tout à fait. Oui, effectivement, il y a un humain qui les aide, et il y a aussi un chien qui, lui, est une véritable saloperie, quoi. Oui. Alors, du coup, C'est pas une. Tu parles du bulldog, ouais. Ouais, du gros Du gros bolos. molosse. Est-ce C'est pas que un on bulldog, peut d'ailleurs. parler de véritable saloperie? C'est vraiment le. Justement, ce passage. Ben, ouais, mais c'est très cartoonesque, justement, l'arrivée de ce personnage. Ça me fait penser justement aux Looney Tunes, Tom et Jerry, quand ils sont avec justement le Molosse. Bah, il a ce rôle, je trouve, de grand méchant, mais en fait, il n'a pas le choix parce que c'est son essence même d'être comme ça. Oui, d'accord, mais enfin bon, dans le genre, c'est il fait pas les choses à moitié. Ah bah non. Donc bon, ce passage-là, C'est moi, sûr. j'ai waouh, quand même, Ah oui, quoi. puis surtout la relation qu'il entretient avec un être humain. Je sais pas si tu te rappelles. Tout à fait, mais c'est je sais... honnêtement, je savais pas si je voulais l'aborder ou pas. Mais effectivement, le problème, c'est que je vois pas trop comment on peut en parler sans l'aborder. Et Non, c'est effectivement, sûr. ce passage-là, il est raide. Mais nécessaire, effectivement. Et l'essence de ce personnage-là, effectivement, quand tu sais pourquoi, dit comment, ça ne l'excuse absolument pas, pour moi en tout cas. Mais ça explique des choses. Par contre, moi, ça m'a fait un peu bizarre, parce que cet humain-là, en l'occurrence, n'avait pas l'air touché par la folie. Toi, est-ce que je sais pas comment tu l'as compris, toi? Bah moi justement, j'ai pas trouvé le traitement de cet être humain, je l'ai pas trouvé, enfin par le scénario, je l'ai pas trouvé, je l'ai trouvé un peu bancal parce que j'ai trouvé l'idée bonne d'avoir cette relation inversée, Ouais. mais je l'ai pas trouvé bien exploité. Et par le fait justement qu'on se pose la question, est-ce qu'il est fou ou pas dès le départ, l'humain, ou Ben dès oui. qu'on le rencontre ou pas, et puis je trouve que on s'en. Enfin. On s'en sépare trop rapidement, quoi. C'est-à-dire qu'on va pas assez loin dans le traitement de ce personnage. Et je trouve que là, il y a un côté bancal dans le scénario par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a comme voilà, un prétexte. C'est le, on sert de ça pour faire passer un message, mais c'est tout. Alors, ça n'enlève en rien le reste, hein, la qualité du reste, mais ce passage-là, je trouve que l'idée est bonne, mais ouais, c'est pas. Après, moi, ça, j'ai, de toute façon, l'essentiel, c'est quand même sur le trio, et j'ai beaucoup aimé. Enfin, ils ont une vraie identité, les trois, je Chacun, bien trouve. sûr. C'est ce que je Et disais au départ, ouais, bien sûr. moi, ça m'a fait plus penser à l'incroyable voyage. Je sais pas si t'as regardé ça quand t'étais gosse, mais où c'était deux mémoires. Est-ce que c'était trois chiens ou deux chiens et un chat ou un truc comme ça? C'est un film donc, qui s'appelle L'Incroyable Voyage et qui était doublé, c'est-à-dire que les animaux parlaient. Du coup, forcément, ça m'a fait penser à ça, mais enfin, le pitch est pas le même puisque tout le monde n'était pas mort, mais c'est un road movie, tu vois, un road Oui. trip plutôt, où les personnages doivent aller d'un point A à un point B et du coup, bah, tu les suis dans leur péripétie. Ouais, j'ai passé un bon moment, je trouvais ça cool. Non, mais moi c'est pareil, j'ai passé un bon moment. Et puis toute l'histoire de l'édition aussi, je trouve qu'elle est. C'est Non, ça c'est aussi cool. qui fait. Là où j'ai été séduit par la proposition de la campagne, c'était que c'était deux récits de Garth Ennis sur lesquels j'avais pas de l'habitude de le lire, en fait. Bien sûr. Et du coup, j'étais très curieux de savoir ce qu'il allait faire avec une histoire à la Alien dans l'espace. Et puis, j'étais très curieux de savoir ce qu'il allait faire avec une histoire comme ça, où c'était pas des humains dont il traitait, mais des chiens. Et du coup, j'étais très curieux de savoir ce que ça allait donner. Après, pour le coup, tu vois, j'arrive pas à dire, en ayant lu les deux, lequel j'ai préféré. J'arrive pas à dire Caliban, ça part vraiment dans tous les sens. Et il y a un côté anxiogène que moi j'ai beaucoup aimé,
Même si ça vaut pas un Alien, si tu veux, clairement. Mais. Et j'ai. Alors, bizarrement, j'ai pas retrouvé du Garcenis. J'ai plus retrouvé du Garcenis dans Revolver Red Charlie que dans Caliban. On en reparlera, j'imagine. Mais voilà. Est-ce qu'après. Bah, par contre, je me pose la question. Est-ce que je l'aurais acheté Revolver Red Charlie si ça n'avait pas été chez Comics Initiative? Honnêtement, moi, je pense que oui. Parce que j'aurais été hyper curieux de savoir ce que pouvait faire. Bien sûr. Par contre, je pense que j'aurais pas acheté Caliban. D'accord. Si ça n'avait pas été chez Comics Initiative pour le coup. En tout cas, pour terminer, moi je conseillerais cette lecture. Ah mais carrément. Ça coûte 18 balles, je crois, C'est ça. effectivement, dans toutes les bonnes librairies qui se sont procurées le titre. C'est à lire, de toute façon, c'est une belle curiosité. C'est une belle découverte. C'est un point à part dans le monde de Garcenis. Michael Dipascal, et comme tu disais tout à l'heure, j'ai hâte de voir ce qu'il est capable de faire d'autre que ça. Ouais. Parce que effectivement, on a l'impression qu'il était bridé par quelque chose, je sais pas du tout. Ah, il a bossé sur Crost, Ah, bah Michael Dipascal. du coup c'est hyper Ouais. logique. Il faut vraiment que je le lise Cross. Hein. Moi aussi. Et ce sera à mon avis une des prochaines. Là, y a de la pâle à lire. Est-ce que c'est tout pour ce titre? Ouais, Ça a tout l'air à en tout fait. cas. Quoi, carrément. Attends, que ce soit une histoire dans l'espace avec des aliens ou que ce soit une histoire avec des chiens, l'important, Eh bien, c'est de lire. c'est de lire. Allez, ciao, à la prochaine. Bye! Salut, bisous.